Bonjour tout le monde, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui je vous partage la story de Jessica Thivenin, Jessica qui a reçu beaucoup de critiques concernant cette photo où elle pose en pyjama à côté de ses deux frères. Voilà, donc elle a tenu à répondre à tous ces commentaires, je vous laisse écouter sa story. Bon, je me réveillais du neuf bordel et là je regardais les commentaires sur ma dernière photo Instagram. Mais il y en a, mais mon dieu, qu'est-ce que vous pouvez être des gros cons. Mais sérieux, je le dis, vous êtes vraiment fini à la piste dans votre cerveau de penser comme ça, toujours tordu, toujours à l'envers. Ça fait 9 semaines je suis alitée, ça fait 9 semaines je suis dans mon lit. Oui, j'ai la clim chez moi, mais à force, mes coussins me tiennent chaud, mon matelas tient chaud. C'est tous les jours 24 sur 24, je me lève 20 minutes par jour, même pas 10 pour aller me laver et faire pipi. Ça tient chaud tout ça, je dois rester un petit peu couverte sinon ça me déclenche des contractions si mon ventre est découvert à cause du froid de la clim. Enfin voilà, enfin je sais pas, puis mêlez-vous de votre cul, c'est mes frères quoi, j'ai grandi avec eux, ils m'ont vu le cul en l'air. Enfin, vous voyez des meufs à la plage toute la journée, vous me connaissez en maillot de bain, là je suis en pyjama. Donc il me reste encore 10 semaines et 3 jours à rester en pyjama dans mon lit, dans ma maison. Ceux qui sont pas contents, vous ne me suivez pas, vous ne commentez pas, vous tracez votre route. Et puis voilà, les autres, vous allez continuer à me voir en pyjama toute la journée parce que c'est la meilleure tenue, la plus confortable quand tu dois rester allongé dans un lit. Et voilà quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Les gens comme ça, je leur mettrais des gifles dans leur gueule clairement. Oh là là, et heureusement que sur la photo, j'ai quitté les bas, mais parce que sinon, c'était la fin du monde. Si je gardais ça pour la photo, mais c'était fini. Ah ouais, c'était fini. Il y en a, vous n'auriez pas dormi de la nuit. Ah, vous auriez été traumatisés. Bon, je relisais les petits commentaires sur ma photo, ça va, je suis rassurée, il y a quand même plus de monde qui trouve que c'est pas bien grave d'être en pyjama devant ses frères. Merci beaucoup, ça me rassure. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous pensez que poser en pyjama à côté de ses frères, c'est abusé ou pas? Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.